Du coup, elle n'avait pas encore 2 ans. Le couperet est tombé, oui, trouble envahissant du développement avec trouble autistique. En fait, on a perdu 4 ans, quoi, quasiment. C'est là qu'on se rend compte que, en fait, Thomas, il n'a pas 4 ans et demi, mais qu'il a 12 mois ou même pas. Quand il est né, j'avais imaginé qu'il allait jouer au foot, qu'il allait faire ceci ou faire cela, et en fait, tout s'écroule un petit peu. Donc, je suis passé aussi par une période de déception. J'avoue que bizarrement, moi, j'ai été soulagée d'avoir un diagnostic, même si ce diagnostic était assez terrible. J'ai considéré que ça faisait partie de la vie, qu'on pouvait accepter cette différence, que voilà, c'était comme ça, et qu'il fallait faire avec. Moi, je considère que les seules limites qu'on lui donne, c'est celles qu'on lui impose. Comme il n'y a personne qui a un mode d'emploi autiste, faites comme ci ou faites comme ça, bah on teste, hein, voilà, et on teste, puis on voit de façon pragmatique, ah tiens, ça marche. Tous les parents sont fragilisés, il n'y a pas un seul parent qui peut être là et qui fait « yes, life is cool ». Tous les deux, on aimerait bien qu'il soit bien, que lui il soit content, que lui il soit satisfait et que ça soit un enfant qui est vraiment heureux. Ça nous apprend tout, déjà la tolérance, déjà à ne plus avoir besoin d'un code particulier pour avoir l'impression d'exister. C'est pas que nous qui faisons la démarche d'aller dans le monde des autistes, mais les autistes aussi, enfin Juju, je vois bien qu'il fait quand même des efforts pour être avec moi, quoi. Mon fils est un diamant brut. Ça veut dire qu'il recèle tous les éclats, toute la lumière en lui, sans qu'il soit poli, sans qu'il soit taillé. Donc c'est une merveille. Bon, on est dans une société de l'image. Donc quand on ne rentre pas dans l'image, obligatoirement, on est tout de suite reclassé dans une autre dimension. Et c'est une bagarre permanente. Donc... Je pense que tant qu'un homme politique n'aura pas conscience du réel problème de l'autisme, ça n'avancera pas.